Hello tout le monde. Alors nous espérons que vous allez bien. Aujourd'hui on va vous préparer une recette facile, rapide et pleine de couleurs de la Méditerranée. Alors c'est des spaghettis au capre. Pour cette recette il vous faudra de l'ail, 4 grosses tomates, du poivre, du persil, de l'origan, bien évidemment des capres, un peu de bouillon de légumes et les pâtes choisies sont des spaghettis. Rigati. Un gros pot de basilic, ça représente à peu près 4 à 5 branches. Ne pas prendre les fleurs. Alors ne pas prendre les fleurs parce que c'est vrai qu'il a fleuri. Et cette année, on a eu une belle portée d'aromates. Pour la première année. Pour la première année. Première étape, donc, le découpage des tomates. Michael est en train de découper les tomates en petits carrés afin que nous puissions les faire revenir à la casserole avec l'ail, les aromates et les épices que nous avons décrites tout à l'heure. On les mélange avec l'ail et 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. On laisse chauffer le tout à peu près 2 minutes. Ensuite, on rajoute les aromates. Bien cuit avec l'ail. Maintenant, on va rajouter les aromates. L'origan. Alors l'origan, on va mettre 1 cuillère à café d'origan. Voilà. On va mettre 2 cuillères à café de persil. Ça rentre pas. Voilà. Le poivre. On va mettre le poivre. Regardez comme il est bien moulu. Fraîchement moulu. On va rajouter le marmite, 1 cuillère à café. Pas plus comme c'est bien sucré. Hein. Ça va donner beaucoup de goût. Alors c'est surtout salé, c'est pas sucré. Ah oui. Je vais me prendre une bière. Ouais. Faut oublier. C'est surtout salé le marmite. C'est une sauce, enfin c'est un condiment végétarien, mais c'est quand même salé. Voilà. On mélange le tout. On va rajouter le basilic. Alors là, on ne va pas ciseler les feuilles. Contrairement à ce qu'on peut voir dans d'autres recettes, on va les laisser entières. Mmh. Alors on jette tout. Le basilic dans la sauce. Maintenant, on va y rajouter le capre. Si vous le prenez en boîte, n'oubliez pas de le rincer. Exactement. Bah oui, le capre. Oui. Donc on va laisser ça cuire pour que les différents parfums se mélangent. Encore 5 minutes. Couvert. 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 Les pâtes sont cuites, donc on va les mélanger à la sauce. Pour la cuisson des pâtes, c'est à votre convenance, si vous les aimez al dente ou plus cuites. On mélange le tout. Si vous réalisez cette recette, dites-nous si elle vous a plu. Faites-en une photo. Postez-la en commentaire. Dites, c'est un retour d'expérience. Merci et à bientôt. Bisous. Bisous.